L'ambiance bon enfant dans le bus, surplombée par le cri de la victoire de Manu Bola, en dit long sur ce pari gagné au nom de toute une nation. Le samedi 8 octobre 2022 signe le retour du Football Club Saint-Éloi-Loupopo sur le terrain en Coupe de la Confédération 7 ans après. C'est un grand jour dans l'histoire du club jaune et bleu de la capitale du cuivre. Les cheminots effectuent ce comeback dans la capitale Kinshasa qui s'est mobilisé comme un seul homme pour soutenir l'un des quatre représentants congolais en interclub de la CAF. Au départ et à l'arrivée du bus au stade, les joueurs sont sereins et déterminés, le stage de préparation au Maroc étant notamment leur socle de confiance. Même atmosphère dans les tribunes, le boss Jacques Yaboula aux côtés des nombreux invités dont Augustin Kabouya venu soutenir les cheminots. Une journée pas comme les autres marquée également par les retrouvailles, comme par exemple l'ancien président du club Pascal Buveradji et l'actuel patron Jacques Yaboula Katoué. Moment de grande émotion qui atteste que Loupopo est une institution à n'en point douter et aussi un patrimoine commun. Dans la tribune également, le président de la grande commission des supporters de la SV Club. À 16h locales, le coup d'envoi est donné. Une rencontre ponctuée des véritables montagnes russes car il s'agit ici de ne pas encaisser. Et on fait le déplacement de Kinshasa pour l'occasion, les groupes d'animation chauffent le stade. Après plusieurs tentatives, l'ouverture du score arrive à la demi-heure de jeu, le but de la délivrance. À zéro à la pause. À la première minute du temps additionnel, Josué Kazema donne une avance à son équipe à la plus grande satisfaction du public. Le stade s'embrase. Les Angolais n'en reviennent pas, ils sont battus 2-0. C'est la RDC qui gagne. Oh!